Et bonjour à tous, c'est Dimway, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Payday 2. Je suis en compagnie d'Almout et de DRK36. Comment ça va les gars? Impeccable. Ouais, bien. Mais pas seulement, puisque une braqueuse professionnelle, voleuse d'exception, nous a rejoint en la personne de Zombinette. Bonjour Zombinette. Salut. Comment ça va? Ça va, super, et toi? Bah nickel, je t'en remercie. Donc Zombinette qui a un niveau tout pourri. Alors, donc on va on va attaquer sur un braquage d'argent. Donc aujourd'hui, on va essayer d'agir en discrétion parce que je suis monté un petit peu de niveau, j'ai pu essayer quelques maps. Je pense qu'on a suffisamment de compétences aujourd'hui pour pouvoir s'y essayer. Alors, au niveau de la banque, pour vous montrer un petit peu le plan, j'ai posé quelques spy cams, des mini caméras en fait qui viennent se positionner sur les caméras de la banque pour nous permettre de regarder, de surveiller l'activité des différents gardes. Et puis j'ai également rajouté des sacs mortuaires, donc les sacs mortuaires vont nous permettre d'emballer les cadavres des gens qu'on va tuer. Voilà, tout le monde est prêt? Prêt, ouais. Allez, c'est parti. Ok. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout, juste pour vous expliquer, l'idée c'est qu'on va passer par là, on va ouvrir le grillage, on va essayer de braquer ce mec tant qu'à faire, s'il nous dérange. Ensuite on va passer par le toit pour ensuite rejoindre l'intérieur de la banque et pour au final redescendre par l'escalier là que vous voyez derrière storage. Enfin c'est de l'autre côté, vous voyez pas, mais bon peu importe. Et l'idée, c'est que là, on rentre dans la banque pour regarder un petit peu l'activité des gardes et voir ceux qui sont fixes et ceux qui se déplacent, puisqu'on va de toute manière un moment ou un autre sortir pour les braquer, et c'est mieux de savoir comment ils se déplacent au préalable. Ok. Non mais les gars sont silencieux, je sais pas. Voilà, mais on est impressionné par ton sens du détail et de la... Oui, voilà, c'est ça, on est subjugué par ce douche tendre qui sort de ta voix. Attends, mais braqueur ou pas braqueur? Faites attention aux caméras, les gars. Bon, c'est là, en l'occurrence, c'est moi. Il y a une caméra à l'extérieur. Elle est, vous la voyez, je crois que je l'ai marquée. Hein. Ouais, on va voir. Okay. Donc faites gaffe. Ok, bon, bah on est parti, les gars. Ça marche. Je te suis. Ouais, tout le monde me suit. Je sais bien parce que t'as un côté aléatoire des caméras, des gars, tout ça. Mais alors, le mec au guichet, c'est toujours le même. Hein. Ouais, bah... faites gaffe. Ok, tout le monde accroupi. Hein. Oula, alors, il ressort. Restez. Bah cachez-vous. Braquez-le. Vas-y. À terre, okay, à terre. Je l'attache. Ok, vas-y. Je l'emmène avec moi. Ah, il avait un pass. Ah, putain, mortel. Là, on est bon. Je m'en occupe. Ok, tout le monde va à l'étage. Hein. On ne se fasse plus repérer dans la rue. Allez, viens avec moi, du con. C'est monsieur du con, tu respectes. Quelqu'un s'occupe du sac? Ouais. Vas-y, DRK. Voilà, vous restez où vous êtes. Quelqu'un récupère l'otage que je viens de laisser en plan, là. Je vais aller chercher des sacs mortuaires. Il est où ton otage? Dans l'escalier. Ouais. Ah oui. J'amène la barbaque. Allez, viens, mon petit. Allez, viens. On te fera pas de mal. Ouais. Faut le monter. Non, bien. Pas si. Vous restez bien derrière. Hein. Vous faites gaffe. Bon, ça va. Il n'y a pas de caméra aussi. On dirait pas de caméra ici. Ouais, j'y vais. Allez, viens, mon petit. DRK, dès que tu rentres, tu mets le cadavre sur le côté à droite, là. Ça roule. Et pareil pour l'otage, vous le mettez à l'intérieur. Almout, hein, tu le laisses en plan à l'intérieur. Ouais. Zombinette, vas-y, tu peux rentrer. Mais, il est vieux, il marche pas vite, hein, le pépère. Alors, je vais faire le tour, la porte est fermée, donc personne ne sort, on a un keuf ici, à mon avis, il doit bouger, il est pas fixe, on a une caméra au fond, ce qu'on va faire... Tu reviens là, qu'est-ce que tu fais? Ce qu'on va faire, c'est que DRK, en fait, a récupéré... Non, Almout, pardon, a récupéré la carte d'accès, va nous ouvrir cette porte. Porte à l'intérieur où vous savez, le gars... Tu peux arrêter de parler quand je parle, Almout, s'il te plaît? Pardon. Et... Putain, tu m'as coupé, enfoiré. Ok, là on fera une petite coupure, les gars. Ça roule. Ah, c'est bon, il est rentré. Putain. Ok, donc je vais recommencer ce que je disais.
Donc là, Almut en fait a récupéré une carte d'accès. La carte d'accès va nous donner la permission de rentrer dans le poste de sécurité. Poste de sécurité où vous avez le gars qui surveille les caméras. À partir du moment où on l'aura buté, on aura full accès aux pièces sans du coup alerter les caméras, puisqu'il n'y aura personne pour les surveiller. Voilà. Ok, donc tout le monde reste là. Almut, vas-y, ouvre la porte, profites-en. Vas-y, 1, 2. Vas-y. Non, attends. Carte d'accès. C'est bon. Ok. C'est le troisième cadavre, on pourra en pas en tuer d'autres. Hein. Je réponds au beeper. Vous remontez dans la cage d'escalier parce que s'il y a un passage, vous allez vous faire gauler pour rien. Ok. Il y en a qui est juste là. Ok. Ouais, reste bien derrière. Il bougeait ce mec, ou il était fixe ? Non, il est fixe. Ok, je vais regarder un peu les caméras. Ok. Tu les regardes avec quoi ? Je suis dans la salle de sécurité, là. Je les regarde avec les écrans, en fait, tout simplement. Okay. Ouais, lui, il est fixe. Ah, il bouge ? Laissez. Ouais, d'accord. Ok, il passe par là. On a une caméra au fond. C'est dommage qu'on peut pas les attirer en faisant un petit bruit ou autre. Enfin, la caméra, on s'en fout maintenant. Ouais, je crois que c'est possible, mais je sais pas faire. Ici, on a un mec qui est fixe, donc lui, on va le prendre. Ok. Et ici, le mec. D'accord. Ce qu'il faudrait éventuellement, c'est que je braque... Merde. Merde. Putain. Chier. Restez derrière. Hein. C'est pas le quatrième. Si, mais on essaie. D'accord. On essaie. On croise les doigts, les pieds, les cheveux, tout. Attention, il y en a un autre qui arrive. Oui, il y en a un autre, ouais. Où ça ? Alors, rouge. Non, c'est bon, il s'est stop. Bon, on était bon. Par contre, le dernier, on va essayer de le braquer, ok ? Bon, ce qu'on va faire. Alors... Là, on s'est un peu endormi. Ce qu'on va faire, je vais poser un CME. Au moment où j'ai posé le CME, on rentre tous en même temps. On braque le flic. On le met à terre, si possible, s'il veut bien se rendre. Donc, vous ne le tirez pas dessus. Hein. Vous le braquez. Si le gars, il en vient à prendre son arme, vous le tuez. OK, okay. Ensuite, une fois qu'on a pris la pièce, on a cette pièce-là à gauche et on a une autre pièce à droite. La pièce de droite... Ici, vous avez deux otages. C'est simple. Sur la pièce de droite, par contre, faut y aller à fond parce que vous avez 5, 6, enfin peut-être 8 ou je sais pas combien de personnes, quasiment une dizaine. On prend tout le monde et ensuite, une fois qu'on a mis tout le monde à terre, on va sécuriser les rues. Donc il faut en permanence des mecs qui soient à l'extérieur pour sécuriser les rues. Et sécuriser la rue, ça nous permettra aussi de récupérer des planches qui vont nous permettre de nous barricader. Donc quand vous sécurisez les rues, les gars, n'hésitez pas à fouiner et à ramasser aussi les colis, vous savez, les petits trucs qui nous permettent de gagner un petit peu de cash en plus. Voilà. Et pendant ce temps-là, on posera la perceuse thermique qu'on aura récupérée. Dès que j'ai posé le CME, on braque, on rentre. Et c'est parti, les gars. Okay. Allez, go. Prends ton arme. Voilà. Allez, on braque. Toutes les pièces. À terre, les mecs. Tout le monde à terre. Attends. Voilà, j'ai tué deux otages à l'intérieur. Vous mettez tout le monde à terre, vous les attachez avec les menottes. Attends, c'est quelle touche ? Mon Dieu, au secours. C'est F pour moi. Ouais, pareil. Bah, moi, ça marche pas. C'est pas grave. Attendez, je me mets dans un petit coin. Hop, on va les déplacer, on va les mettre derrière pour pas qu'ils soient visibles de l'extérieur. Ouais, elle est là. DRK ! Oui ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu vas récupérer la perceuse derrière, discrètement ? On va essayer, ouais. Là. Je réponds au beeper, j'espère que ça va passer. Ah oui, ça marche, ok. Ok, c'est nickel. Almut, tu feras gaffe que personne nous repère dans la rue. Zombinette, tu peux récupérer les gens par terre ou pas ? Déplacer l'otage, c'est ça ? Ouais, voilà. Okay. Vous les ramenez tous, tout le monde, on nettoie la salle, on ramène tout le monde à l'intérieur ici, là. Dans la pièce où il y a l'imprimante. Ok ? Ok, ça marche. Ouais. Vous les posez tous ici. Parfait, vas-y, pose-la, la grange. Enfin, je suis en train de remonter sur le toit, là. Vous faites attention de ne pas rester près des vitres parce que vous allez avoir du passage dans la rue. Dès que vous voyez un mec qui nous a repéré dans la rue, vous allez vous sauter dessus. Hein. Ok ?
Sachant que j'ai déjà tué 2 ou 3 civils, donc faut pas trop en tuer. Après, sinon, on va se prendre la gem cake, qui est une unité spéciale qui va venir nous faire chier. Donc comme on est en discret, faut éviter de se faire... Faut éviter qu'ils viennent. Et on les met où, les... là-dedans, là ? Ouais, dans cette pièce. Tout le monde. Allez. Même les sacs mortuaires. Voilà. Ok, j'ai plus de sacs. Je vais aller en chercher à l'extérieur. Non, mais je sais pas où il va, lui. Ok. Ah putain, tu me suis, toi ? Mais je comprends pas, il va où, lui ? Voilà. Perceuse en place. Ouais, nickel. Elle a commencé à taffer ? Ouais. Ok, là on est bien, là on est bien. Ok, il est couché. Attends. Tout est bon. Alors, continuez à ramener les mecs. Ouais. Qu'est-ce qu'il fallait ? Il faut que j'ai... Il me faut des sacs mortuaires. Je vais choper ceux qui sont posés à l'étage. Hop. Je vous lance les sacs, si vous pouvez les récupérer. Hop. Ouais. Il bug, il bouge plus. Si c'est ça, tu le recouches par terre et tu le soulèves. Et tu le déplaces à nouveau. Et normalement, ça devrait aller. C'est bon. Allez, viens, toi. Ok, je vous laisse gérer un otage qui est au premier. Moi, je vais aller récupérer des sacs mortuaires pour emballer les mecs. On sort au premier. Oh. Ok, pour le moment, on est bien, en tout cas. Hein. Ouais. On ramène le troupeau. Ok, nickel. Il y en a plus là, je vois plus. C'est bon. Si, il reste un là. Allez hop, viens. Alors, je crois qu'il y a un cadavre par terre. Ouais, il y a un cadavre ici, je le ramène. Ok. Donc tout le monde reste à l'intérieur. Est-ce que... Ah merde, la perceuse. Ouais. Hop, j'ai posé un sac en plus. Bon, ils sont tous là. Il reste 170 secondes. Ok. Almut, tu t'occupes des distributeurs, tu poses du CME dessus, les distributeurs qui sont là. Ça va les ouvrir. J'ai pas de CME. Je m'en occupe, la grange de lui. Ok, j'ai du CME, moi. Ok, nickel. Bah, tu peux ouvrir aussi un distributeur, ça nous fera du fric en plus. C'est où, ça ? J'ai pas vu. C'est ici. Là. D'accord. Tu utilises bien le brouilleur. Tiens, bah, je peux en faire un, moi j'en ai plus besoin, mon brouilleur. Je fais celui de droite, hein. Maintenant, j'ai pris les munitions. Ok, nickel. Ensuite, faut que tu te mettes accroupi et que tu ouvres le truc en bas. Ah non, ça marche pas chez toi ? Il y a une caméra là. Attends, si. Les caméras sont désactivées, on s'en fout. Ok. Sinon, Almut, tu peux nous les ouvrir à la scie. Ouais, carrément. Vite, on va faire ça. Oh. Oula. Je m'en occupe. Vous restez là. Ok, quelqu'un vient récupérer les otages avec moi ici ? Ah bah j'arrive. Il reste 110 secondes. Il y en a d'autres. Tu prends celui du fond, Almut. Ah oui. On le ramène à l'intérieur. Ouais, hop. Bah, je sais pas comment on s'est fait repérer. Restez pas près des fenêtres. Hein. Alors comment c'est fait ? C'est le coup de perceuse. Hein. Ils l'ont entendu de là-bas. Les mecs, ils ont eu une chauve-souris. Le coup de scie ? Ouais. Va pas trop loin parce que ton otage, il va lâcher. Tu vois, il a lâché là. On va essayer de couler le sac. Ouais, la scie, je crois que c'est 7,5 mètres de distance au niveau du son. Attention, précision. Ouais. Ah, putain de perceuse. Le mec est à 1 cm, il entend plus. Ok, donc il est couché. Vas-y, viens. Almut, tu viens à l'extérieur avec moi. Zombinette, tu restes à l'intérieur. Almut, tu viens à l'extérieur ensuite, dès que t'as posé l'otage. On essaie de choper des planches et de ramasser des colis pour gagner un peu de fric. Tiens, j'en ai chopé ici. Plus que tu ramènes son cul. Allez. Ok. Je regarde l'endroit idéal pour les poser, mais je pense que nous mettre c'est bon. Sur le devant, ça pourrait être pas mal. Hein. 50 secondes. Ok, nickel. Si tu te fais repérer, Almut, et que le mec se tire à l'extérieur où tu peux pas l'attraper manuellement, enfin tu peux pas le braquer, le mettre à terre, tu le tues. Hein. Ouais. J'ai des planches, ça a dit. Bon, c'est plus important. J'en ai récupéré aussi. Là, on est pas mal. On est pas mal. Combien de temps pour la perceuse ? 20 secondes.
Par contre, ça attire pas l'attention justement les planches. Bah écoute, non. J'ai cru comprendre que moi aussi je pensais ça au début, mais pas du tout. Moi je pense que du moment qu'il y a des planches encastrées sur les murs, je me pose des questions tout de suite. Hein. Bah ouais, mais eux non. C'est ouvert. Ok. Almut, tu te mets au taf? Oh yeah. It's show time. Attends. Vas-y, petit coup de scie là-dessus. Voilà. Ah. Ok. Alors, Zombinette. Oui. Tu t'occupes de faire des sacs. Okay. Almut, deux petits coups sur chacun. Ouais. Et voilà, là t'as la place sur la table, tu te poses deux sacs de mini pour toi là, Almut, comme ça t'es au calme. Et t'es bien. Ouais. Attends. C'est ouvert cet accès là. Ouais. Moi je reste à l'extérieur, je m'occupe. Merde, putain, je pensais que j'avais récupéré des sacs mortuaires. Pas du tout. Je crois qu'il y en a sur le parking. Ouais, bah je vais aller en rechercher. Sac de munitions. De toute façon, on en a besoin. Voilà. Vous sortez pas les sacs pour le moment, on va tout mettre à l'intérieur, on va tout sortir d'un coup. D'accord. J'essaie de voir s'il y a moyen de récupérer encore quelques planches ou surtout des colis. Je suis assez mauvais pour ça. Je fais les caviers, les caviers, n'importe quoi. Les casiers ou pas? Ouais, dès qu'ils sont ouverts, ouais. Ça n'a rien à voir de la scie sauteuse, hein. C'est vraiment du vite ça fait. Ça prend deux secondes, hein. Ouais, c'est... Oh là là. Et c'est ouvert. Okay. Dim, t'as des planches sur toi, hein. Ouais, je viens de les récupérer à l'autre. Ok, bon. Laisse-moi le temps de les poser. Non, plus vite, allez. Oh là là, ça prend une plombe d'ouvrir à la pogne. Ouais, ça prend une demi-gueule là. Non, bon, ok. Alors, comment s'en sort? Comment tu t'en sors? On est pas mal, tu peux faire ça plus vite, Almut, dis donc. Mais tu prends son temps avec sa blaque et d'équerre. Non, deux coups suffit, tu fais tac. Hein? Oh nom de Dieu! Il y a du talent là ou pas? Il y a un peu de talent, Ah, ça, doucement mais sûrement. Ouais. Oh, par contre, pardon. Mmh. Ouais. Crochette pas la main, ça sert à rien, c'est de la perte de temps. Ouais. Par contre, ce que tu peux faire, tu fais le tour de la banque et t'essaies de voir si tu arrives à récupérer des petits colis à la con. En fait, t'appuies sur la touche pour récupérer un peu partout. T'essaies de choper ça. D'accord. Si t'en trouves, s'il y en a, s'il y en a pas, bah tant pis. Dehors quoi, dans la rue. Dans la banque. Non, dans la banque. Dans la banque. Ouais. Okay. Parce que ça j'ai pas regardé. Ah, y a plus de sacs mortuaires. Fuck that shit. Bon, c'est pas grave, c'était pas forcément super important. On est comment là? On est pas mal. Ça avance bien. On va commencer à emmener les sacs, les gars. Hein. Ouais. Ok. Allez hop. Par contre, l'acier elle est rapide, mais putain, elle est en carton à trois coffres et elle est morte. On les prend manuellement, on les ramène à la main, enfin, ça veut dire la même chose, mais je veux dire, on les lâche pas dans la rue, on les emmène tous. Parce qu'on sait jamais s'il y a un passant qui passe. En tout cas, on va se faire du fric. Ah. Oh putain. Ça, c'est bon. Ah, c'est... On va aller. Putain, j'ai vu jusque là. Je sais pas ce qu'il y a après ici. Hop, je regarde un petit peu. Je découvre en même temps la map. Ok. Donc je fais le trajet avec DRK. Bah dès que Zombinette t'as fini de faire le tour, bah tu nous donnes un coup de main pour ramener les sacs. Ouais bah moi j'ai rien. Bon voilà, en tout cas un braquage qui se passe très bien. Les gars. Si tu veux. Mais du coup je prends les sacs et je les emmène dehors. Avec ouais. On va gagner le fric. Ouais. Vous allez faire quoi avec le fric les gars? Vous l'avez? Ouais. Oh. Là moi. Ah genre la grange, toi tu gagnes du fric, t'as pas d'idée quoi. Même coffret, ça devient pas à l'esprit quoi. Non. Je sais pas. Je mets sous mon lit. Ouais c'est ça. Je vais sacher les autres extensions du jeu. Zombinette va faire comme les grand-mères, elle va les cacher l'argent dans ses nichons. Quand il faut acheter du pain, elle te donne un billet, tchat. Ah merde. Sors le truc, t'as même plus envie de le toucher. Ok. Et puis moi, putain, j'ai pas pris de sac, merde. Moi, je vais aller au pute. C'est... Pute et tequila. Pute et tequila, exactement. Allez, hop, après vous. Ok, ouais, sur le retour, après la grange, tu peux rester dans la salle, et puis dès qu'Almut ouvre un coffre, tu récupères, tu sais, un peu comme un chien de la casse qui attend juste que ça souffle pour choper les trucs. Ça marche. Oui, dingo, là. Du lingot d'or? Ouais. Mortel.
Du bon gros lingot bien mastoc. On va ouvrir ce portail parce que ça commence à me saouler de passer par un trou là. Et il reste deux sacs ici à récupérer. Voilà. Ouais, je vous laisse gérer. Moi, je vais vraiment faire le tour. Je vais essayer de choper des colis parce que je sais jamais où ils sont. Je sais pas à quoi ils ressemblent. Je crois qu'il y en a un. Il a la gueule d'un journal. Quand tu réunis tout, ça te donne du fric en plus. Ouais, ouais, ouais. Putain, il y a des otages qui crient. Je sais pas pourquoi. Ouais. Alors, putain, je trouve que dalle. On est comment? Il nous reste beaucoup de coffres, Almut? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 25 coffres. Ok, encore. On est déjà à 20 minutes de braquage. Ouais, encore 20 coffres. Hop. Ce qui est plus long, c'est de changer de disque. Ouais, c'est de recharger, ouais. Ouais, putain. Ah, mais quand tu pourras l'améliorer, on sera bon. Ouais, il va falloir farmer un petit peu. Oh putain, j'ai confondu du caca avec un colis quoi. Putain, il y a rien les gars, il y a rien dans le coin. On m'a baisé sur les colis. Bon, je suis désolé les gens qui regardaient la vidéo si je suis passé devant 15 fois et que ça vous fait criser. Désolé. T'as des mecs derrière l'écran en train de hurler. Putain, il est là ce colis, tous tes yeux, merde. Non, mais vraiment je sais pas. Il y en a peut-être pas et on prend pour un con quoi. Ça c'est possible aussi. Il y a des chances. Bah on est bien là, nickel. Tout est ouvert. Alors, n'hésitez pas à sauter. En fait, si vous sautez, des fois... Vous voyez pas ceux du dessus, tu vois? Genre, tu vois la grange ici, regarde. Ah ouais. Ouais, voilà. Ah non, pas là. Voilà, oui. Ah, on peut ouvrir ces petits trucs? Quoi donc? Ah non, je voyais, c'est des petits cadeaux. Ouais. Ah, encore des billets. Encore un sac ici. Ok. Je crois que j'ai vu un lingot, je sais pas si tu l'as ramassé. Hop. Alors faut pas faire trop la touche saut, sinon après il y a le retour Windows. Je sais pas si ça vous le fait ça, mais... pas sauter plus de 5 fois... Ah, il y a du cash, ouais. Ouais. Ok, on est bon? Ouais, ça y est, tout est ouvert. Allez, on se casse. Vamos a la playa. Attendez, on l'avait ouvert cette porte, là? Je regarde juste un truc. Ouais, on était rentré là-dedans. Il y a pas du fric, si. Attends, les gars, on allait laisser 1000. Je récupère. Bon, allez, go. Ouais. Go. Allez. C'est moi qui conduis. On a un chauffeur en fait. Tu veux conduire avec lui et toucher le volant un petit peu sur le côté. Il est pas méchant. Hein. Ok. Mais y'a personne. Y'a personne? Ah bah vas-y, conduis. Non, non, il dimanche, hein, les gens ils sont chez eux. Allez, Almut. Attends, fatigué. les grosses fesses de la team braquage. Ah là. Ah, j'ai bien mes yeux, ok. Bon, ah, bon ça. Notre premier braquage en discrétion, du premier coup, j'ai envie de dire. Complètement. C'est vrai. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire si c'est le cas, voire à vous abonner si c'est pas déjà fait, à rejoindre les chaînes de Lagrange, de DR46, mais en fait non, c'est la même personne. Les gens me posaient la question pourquoi je l'appelle comme ça, c'est parce que le mec a deux pseudos. C'est ça. Compliqué. Schizophrénie. D'Almut et puis de Zombinette qui a 9 abonnés, qui sera également comme les autres dans la description de la vidéo. Merci à vous. Un plaisir. Ciao tout le monde.